pété les plombs. Oui, j'ai pété les plombs, j'en ai marre. Marre, marre, marre. Mais pourquoi t'en as marre? J'en ai marre parce qu'il n'y a pas de transport et je suis bloquée. Je peux rien acheter, il n'y a pas de puce, il n'y a pas de RER, il n'y a pas, il n'y a rien. J'ai oublié de faire 12 kilomètres, j'en ai marre. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Bah j'en ai marre. Bah oui, mais t'en as marre, pourquoi? Bah j'en ai marre, je suis bloquée. Mais comment ça t'es bloquée? Ben, je suis bloquée chez moi. Mais pourquoi t'es bloquée? Ben, je suis bloquée parce que y a un problème avec les bus. En plus, j'ai pris froid. Comment ça, t'as pris froid? Ben oui, j'ai pris froid. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Eh ben, tout simplement, j'en ai marre parce que y a pas de bus, y a pas de métro, y a pas de RER. Je suis bloquée chez moi et je peux pas faire de cadeaux de Noël. Mais comment ça, tu peux pas faire de cadeaux de Noël? Non, je peux pas faire de cadeaux de Noël parce que... Ben, parce que tout simplement, il faut prendre le bus ou le métro. Et je fais comment s'il n'y a pas de transport? Ah ben oui, ça c'est vrai, je reconnais que s'il n'y a pas de transport, comment tu vas faire? Ben ouais, mais je sais pas. Peut-être que s'il n'y a pas de transport, faut que j'aille à pied. Ben oui, ça serait bien ça, que tu ailles à pied, tu vois, tu vas maigrir parce que tu es une grosse patate. Ah mais non, mais pourquoi tu dis que je suis une grosse patate? Je suis pas une grosse patate. Si, si. Mais franchement, il faut que tu maigrisses. Ah bon? Moi, s'il faut que je maigrisse, alors c'est pas tout. C'est pas top parce que moi, j'aime les gâteaux. Bah ouais, bah t'aimes les gâteaux, je suis désolée, mais il va falloir aussi bouger tes fesses. Hein. Allez, bouge tes fesses, bouge tes fesses. Oh bah non, bah écoute, en fait, je crois que je vais rester à la maison tranquille. Je vais regarder les films de Noël puisque c'est la période de Noël. Non, non, il faut te bouger. Allez, booste-toi un petit peu. C'est quoi ce délire? Il faut que tu sois avec eux à fond. Oh, mais moi, tu sais, moi j'ai une petite retraite, alors, enfin je ne l'ai pas encore, mais je vais bientôt l'avoir, mais quand j'aurai ma retraite, j'aurai jamais 2500 de salaire. Hein. Ah ouais? Et pourquoi tu dis ça? Bah, parce que toi tu travailles dans quoi? Mais tu fais quoi? Bah, moi je suis chauffeur de bus. Ah ouais, t'es chauffeur de bus? Oh ben ouais, mais alors tu fais la grève, toi, t'en as rien à foutre alors. Ben, en clair, non, je fais la grève parce que j'ai besoin, parce que voilà, ma retraite, moi je défends ma retraite, je défends mes privilèges parce que j'ai plein de privilèges et je veux pas les perdre. Ah ouais, mais moi j'en ai pas de privilèges, comment je fais si j'ai pas de privilèges comme toi? Eh ben, tu nous suis. Ah ouais, bah d'accord, mais cela dit, moi je suis contre la réforme, hein, je suis contre, parce que lui il commence à... Hein, j'en ai un petit peu marre de lui, hein, avec le gouvernement, ce qu'il fait, c'est pas très très cool, hein, moi je trouve. Ah ouais? Bah écoute, moi je te dis franchement, viens manifester. Non, parce que moi ce que je veux, d'abord à la base j'en ai marre, j'ai dit que j'en avais marre, j'ai pas dit que je veux manifester. J'en ai marre parce que j'ai pas de bus et que je suis bloquée chez moi, et je fais comment alors? Ah bah écoute, tout simplement, tu viens manifester avec nous. Non, moi c'est pas que je suis contre la manifestation parce que j'en ai fait pendant des années de la manifestation. Il y avait beaucoup plus de monde que ça d'ailleurs, mais il n'y avait pas des pétages de plomb comme ça, il n'y avait pas des trucs qui cassaient, il n'y avait rien de tout ça, c'était tranquille, c'était une manifestation surveillée par les syndicats. Ah ouais, bah écoute, maintenant t'as vu, ça pète, bah ouais, parce qu'il y a les Black Blocs maintenant. Oui, c'est vrai, il y a les Black Blocs, mais moi, Black Bloc, Black Boc, Black, je sais pas quoi. Bref, ils cassent tout. Bah oui. Eh ben moi, non. Moi, je suis désolée. Tant pis. Bah du coup, je vais rester chez moi. Parce que j'ai pas envie de faire la grève et de me prendre un truc sur la tronche. Ça, c'est non. Mais non de non. Par contre, je voulais acheter des achats de Noël, mais je crois qu'il y a Internet, alors du coup, je vais commander, puisque je n'ai pas de bus. Mon bus, il n'existe plus. Ils l'ont supprimé depuis le 5 décembre. Ouais, je sais, mais tu sais, nous, à la RATP, on veut garder, comme je t'ai dit tout à l'heure, nos privilèges, donc il n'y a pas de souci, on va faire grève encore longtemps. Bon, ben, écoute, tu sais quoi? Eh ben, au lieu d'aller dans une salle de sport, eh ben, je vais marcher. Voilà, je vais faire du sport obligatoire. Parce que tu sais, quand on est dans le métro, ben, c'est régime assuré parce que on maigrit, parce qu'on est écrasé comme des saucisses. Et par contre,
Quand on est bloqué, ben, on est obligé de marcher. Donc le marché, ben, ça fait du régime. Et ça fait maigrir et c'est très bon pour la santé. Donc en conclusion, je vais aller marcher. Voilà. Et j'en ai ras-le-bol. Bye bye.